As-tu déjà entendu parler des Amazones, ces femmes guerrières de l'Antiquité? Mais savais-tu que la France aussi avait eu les siennes? Le général des armées catholiques et royales, nommé Charette, s'était entouré de femmes guerrières que l'on surnomma ces Amazones. D'ailleurs, des femmes nobles comptent parmi les premières Amazones à rejoindre les rangs, comme Madame Pieff. Elles sont excellentes, de bonnes tireuses et de bonnes cavalières. Et comme leurs homologues masculins, elles participent au combat. Chez les roturières aussi, on prend les armes. À la bataille de Torfu, c'est elles qui renvoient les hommes qui finissent par fuir le combat à coups d'insultes. Certaines vont même jusqu'à se déguiser en hommes pour pouvoir rejoindre les fronts et se battre. La France a donc connu ses propres Amazones, des femmes téméraires qui n'ont pas eu peur de prendre les armes pour défendre leurs idéaux.